Yo tout le monde, c'est Unit Production pour une vidéo en mode hockey Ultimate Team pour l'épisode 3. Et on est sur NHL 16 un peu en avance. Et donc aujourd'hui là j'ai 6 packs, j'ai tout gaspillé, je viens de record les deux dernières vidéos. J'ai tout gaspillé, j'avais 80$ dans mon compte et je les ai mis dans les packs. Et je risque de mettre d'autres argent à la sortie du jeu officiel. Et donc on espère pogner pour vrai un joueur à genre 100 000, ça serait parfait. Pour nous lancer pour lancer notre équipe, Ben Screamans, on n'a pas besoin de deuxième goaler. Brendan Shane, on peut le garder, on peut le garder. Matt Stajan, c'est un bon joueur, ça aurait été un bon joueur il y a 5 ans. Reimer, on a ça déjà sur le coéquipier, on n'a pas besoin de lui. Et pas grand chose pour vrai dans ce pack là, pas grand chose. Donc, quick sell le reste. Là, je vais vraiment. J'ai réussi à aller chercher tous les joueurs qu'il fallait que je quick sell. On est quasiment rendu à 50 000. C'est parfait. On croise les doigts. J'ai pété en même temps. Paul Martin encore. Adam Larson. Ça, c'est bon. Là, j'ai pas vu le joueur de Brendan Gormley Melton. Non, on rentre rapide. Adam Larson, je vais le garder. Ouf, il pue, là. Oh, mon petit. Il s'en marre pour vrai. Captain, parfait. Jason Demers, je n'ai pas besoin de Brendan Perry. Je n'ai pas besoin. Mais c'est le fun, les arrows pognés pour vrai. Je suis en live Chicago, je vais le garder. Jason Demers, c'est pour vrai, il est pas tant beau que ça, hein. Mais le monde me chialait après parce que j'avais dit joke Demers en niaisant. C'est genre, oh non, c'est Jason, son nom. Je sais pas si où j'avais dit ça. Je pense que c'est dans un des épisodes du Deviens des Jeux. Le monde capotait pour rien, là. Ils comprennent pas que je niaise encore. Et là, la vidéo va être courte pour vrai, là. À date, on est à 2 minutes de vidéo. Et on a déjà ouvert pas mal tout. On a ouvert la moitié des packs. On avait juste 6, donc Milan Mialek, Van Riesdijk, Matt Dumba, Norvit, what the fuck, 1000$ pour lui, on va aller le vendre, pro gain ça en plus. Trevor Van Riesdijk, je vais le garder juste parce que c'est un joueur de Chicago. Michael Norvit, j'avoue que je peux le vendre un peu plus cher que son quick sell, fait que tiens, on va faire un petit cadeau, 500. 500$ pour un goaler comme ça, c'est pas si super pour vrai. Ça, Pierre-Alexandre Parenteau. Captain, j'ai génial d'en pogner un, ça je vais le garder. Puis des pièces, c'est bon. Captain, je vais le vendre dans les 200$, un cadeau. Quick sell, c'est parfait. Et ouais, on est 55 000. Pour vrai, je veux vraiment pas un gros joueur. Au début, ça m'aiderait tellement. Ça serait fou. André Markov, parfait. On a un pilier défensif pour l'instant. C'est pas un défenseur extraordinaire, mais c'est pour vrai. On regarde mon équipe que mon meilleur def a pour le temps. C'est genre Vlasic. Même c'est un excellent défenseur. Que j'aime vraiment beaucoup. Ok, on pogne juste des capitaines, c'est intense. C'est même c'est un défenseur que j'aime beaucoup. Markov, j'ai rien d'autre à dire là. C'est juste qu'il manquait de la profondeur en défense. Et on a. C'est parfait. Des assistants de capitaines. Ouais, c'est correct. 3000$ de plus. On est rendu à 57 000 environ. Ouais. On va se rendre facilement à 60 000. Et donc, je vais tester de quoi. Le sell pack. Je rouvre. Juste un message texte, oui. J'ai un message texte d'une personne que je vous dirai pas c'est qui. Matthew Enzo. Tivo, Nathan Kirby. What the fuck, le pack. What the fuck. 2000$ pour Enzo. Parfait, je le vends. J'aime pas ben. Il est gros, mais il est là. C'est ça son problème. Il est 6 pieds 6. Tivo, je le fais jouer à 100%. DSP qui peut aller chier. J'ai vu Gerby, je vais le faire jouer pour vrai. C'est toujours drôle de le faire jouer. Le gars il mesure genre 4 pieds 1. 1m65. Parfait. Je sais pas pourquoi j'ai pas sélectionné Gerby, je suis con. Assistant, je vais le garder. On sait jamais, c'est toujours drôle. Les assistants, les blessures, ça aussi c'est. Je sais pas comment qui gère les blessures là-dedans. Il manque un contrat. Pour un excellent pack là. Beaucoup de joueurs du Canadien. Higgins, un ancien du Canadien. Smith Pelly.
L'autre, là, j'ai oublié son nom, Chris Tecky, qui était là. Paranto, aussi, un ancien du Canadien. Je pense que c'est le dernier pack, là. On croise les doigts, on croise les doigts, on croise les doigts. J'aurais dû faire un téléphone pack. Barkov. Barkov, Beaulieu. J'ai vu Beaulieu aussi. Niskanen. What the fuck, il vaut aussi cher que ça, lui. Genre un def que personne connaît, mais qui est quand même bon, là. J'ai jamais vu jouer, fait que je suis juste ça de même oiseau. On garde ça. Ça, on le garde. Oh, un beau chandail, un beau chandail. Barkov, parfait. Attendez, les blessures. C'est parfait, on est rendu à 65 000. Puis je vais faire un team update. Je vais faire un team update. Je vais couper ça au montage. Je vous en reviens tout de suite après. Faut que je modifie mes trios. Je vous en reviens tout de suite après. Donc oui, on est de retour. Et là, j'ai pas encore joué de game, donc je peux pas savoir qui joue bien. J'ai décidé de mettre Forsberg sur le premier trio avec Plekanec puis Hurtle. Après Bonino, Barkov puis Shaw, Shane Pasternak puis Kamara, Joel Ward, Sandberg puis Gramner. J'hésite à enlever pour vrai Kamara. J'ai aucune des équipes. Puis y a pas vraiment une belle tête non plus. Y a pas une tête. Non, j'ai trouvé le joueur. Thivo en partant. Et en défense, j'ai enlevé Paul Martin, ouais. Au lieu de Manta. Beaucoup plus gros, puis je sais pas si c'est plus rapide là, pour elle. Je connais pas assez. Puis là, je vais mettre Larson ici. Adam Larson. Parfait. Et donc, oui, c'est ça mon équipe pour l'instant avec Bernier Dainet puis Eddie Lack. Deux goalers. Bernier, je l'aime pas. Eddie Lack, je l'aime un peu pour vrai. Mais on va garder l'équipe comme ça. Si c'est mon trio un peu de recrue là, qu'on peut voir. Une petite vidéo quand même un peu rapide, genre 5-6 minutes de vidéo, je sais pas là. Mais bon, c'est pas grave. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Prochain épisode, c'est une game. Je vous le garantis, je vais tout sûrement acheter un joueur en même temps. Avec tout l'argent que j'ai, il faut que j'en profite. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je vous dis ciao à tout le monde et à la prochaine.